J'ai décidé que je n'allais pas me laisser faire par les effets secondaires. Et que voilà, j'allais rester belle, jolie, avec un look. Le cancer n'allait pas avoir ma féminité. On a les ongles qui noircissent potentiellement avec la toxicité des chimiothérapies. On a le cuir chevelu qui nous pique. Voilà, on peut avoir les yeux très secs aussi quand on perd les cils. J'étais pas forcément quelqu'un qui me maquillait beaucoup, qui prenait soin de moi, qui me mettait du vernis. D'ailleurs, j'en ai pas aujourd'hui. Mais voilà, il y avait une vraie routine. Avec les produits mêmes et ce côté coquette, on prend soin de nous, ça fait du bien. Même c'est une marque de produits de soins et de dermocosmétiques qui est très particulière puisqu'elle est entièrement destinée aux personnes qui sont concernées par le cancer. L'idée avec notre marque, c'est de répondre aux besoins très spécifiques qu'on découvre pendant ces traitements et qui sont liés aux traitements anticancéreux. Il faut savoir que quand on perd ses cheveux, on a une sensation très désagréable sur le crâne, ça gratte. La brume apaisante, je la mettais sous mes turbans, je me faisais des massages, ça m'a fait énormément de bien. Et puis j'ai découvert aussi leur crème de soin parce que notre peau est hyper déshydratée pendant les traitements. Odyssea, c'est un événement sportif de grande ampleur puisque ça a lieu un peu partout en France. Tes courses, elles ont à la fois vocation à sensibiliser le plus grand nombre au cancer du sein et à la prévention contre le cancer du sein, mais aussi à récolter des fonds qui seront reversés à la recherche contre le cancer. Et donc l'objectif, c'est de trouver les traitements de demain pour qu'on soigne de mieux en mieux le cancer du sein. Alors l'opération avec showroom privé, elle consiste en deux boxes qu'on a créées. Dans ces boxes, il y a à la fois quelques produits mêmes et il y a aussi des bijoux. Ces produits, ils sont parfaitement adaptés à des personnes qui sont en train de vivre l'épreuve de la maladie, mais ils sont aussi bien sûr adaptés à tous et utilisables par tous. Moi, je pensais que c'était superficiel de mettre du beau dans sa vie, mais non, c'est pas superficiel de mettre du beau dans sa vie, c'est juste essentiel en fait. De mettre du beau dans sa vie.